Bonjour YouTube. Ok, j'ai 5 minutes pour vous montrer comment héberger votre site web statique, votre site vitrine, ou plutôt le front-end de votre application, sur le cloud d'AWS pour Amazon Web Services. Pour cette vidéo, je pars du principe que vous avez d'ores et déjà créé votre compte sur AWS, c'est un formulaire très basique, vous devriez vous y retrouver. On partira également du principe que vous avez d'ores et déjà créé votre site web, et donc moi pour cette vidéo, j'ai créé un truc super moche, voilà, avec une image et un petit peu de CSS, qui vous indique le nombre de secondes depuis lesquelles vous êtes sur le site, avec un lien vers la chaîne YouTube. Lorsqu'on arrive sur la page d'accueil d'AWS, donc la Management Console, on va se diriger sur le service S3 pour Simple Storage Service. C'est un espace de stockage sur le cloud qui vous permet notamment de créer des compartiments dédiés à l'hébergement de sites web. Donc là, on peut voir que j'en ai déjà un de créé. Nous, on va s'intéresser au bouton Créer un compartiment. Ici, il y a beaucoup de choses à faire, mais on va en faire uniquement que deux pour le moment. On va donner un nom de compartiment. Je vais choisir le nom www.gaws.com, car si vous voulez que votre site web ait l'URL www.gaws.com, il faut que votre compartiment s'appelle de cette manière également. Donc si je voulais faire blog.gaws.com comme site internet, il me faudrait le compartiment blog.gaws.com. Pour la région, choisissez soit celle par défaut, soit celle que vous préférez. Si vous n'avez aucune connaissance de toutes ces régions, prenez celle qui est disponible et qui est le plus proche de chez vous. Moi, j'utilise l'Irlande alors que j'habite à Paris, parce que j'ai l'habitude de travailler avec la région Irlande, mais globalement, c'est l'endroit où va être votre site web une fois qu'il sera hébergé. Alors moi, je choisis Irlande, et c'est tout pour le moment. Tout ce qui est permission et tout ce qui est facultatif, on n'y touche pas pour le moment. Une fois qu'on a donc créé notre compartiment, on va pouvoir s'y rendre en cliquant dessus, voilà. Et on va accéder aux propriétés pour le configurer en tant qu'hébergement de site web. Là, on va descendre tout en bas et on va avoir la catégorie hébergement de site web statique. On va modifier cette catégorie, on va indiquer qu'on veut l'activer. Donc on laisse héberger un site web statique tel quel. On va indiquer le document d'index et le document d'erreur. Le document d'index, c'est la page par défaut lorsqu'on accède à votre site web. Lorsqu'un utilisateur va taper www.gaws.com, quelle est la page qu'on va lui renvoyer? Eh bien, nous, on veut que ce soit donc cette fameuse page, donc l'index.html, donc je précise que ce sera index.html. Si ce fichier avait été dans un dossier, par exemple, je ne sais pas, contenu, on aurait mis contenu slash index.html. Le document d'erreur, c'est le document qui est renvoyé, de la même manière que l'index, lorsque vous faites une erreur. Si vous essayez d'accéder à www.gaws.com/bonjour-youtube, ce qui n'existe pas sur mon site, ça va faire une erreur 404 not found, et ça va automatiquement vous renvoyer sur le document que vous indiquez ici. Donc moi je mets index.html également, comme ça, si vous faites n'importe quoi, vous êtes redirigé vers l'accueil, et ça fonctionne bien. C'est tout pour cette partie, on peut enregistrer les modifications. Alors là, du coup, on a créé notre site web. Si vous redescendez tout en bas pour la catégorie hébergement, vous allez voir qu'on a un point de terminaison, donc un URL HTTP qui est apparu. Si on clique dessus, on va atterrir donc sur une page d'erreur. Pour le moment, c'est normal. Donc oui, là, vous avez créé un site web, il n'attend plus qu'une chose, ce sont vos fichiers. Alors, première étape, on va retourner donc dans la partie objet, donc en gros les fichiers que vous stockez. Pour le moment, on n'en a aucun. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir drag and drop nos fameux fichiers, donc l'image, l'index.html et le tilde.css, dans notre compartiment. Donc là, il prépare, mon PC met 3 ans. Et là, c'est pareil, on va juste valider l'envoi. Donc là, tout a réussi, c'est parfait. Et donc, si on essaye d'accéder à notre site, donc là, on retourne dans propriété. Ah bah non, j'ai l'URL juste là, parfait. Donc ça, je quitte. Donc si on essaye d'accéder maintenant à notre page par défaut, vous allez voir qu'on a toujours l'erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fichiers sont par défaut protégés par le compartiment, afin que personne ne puisse y accéder n'importe comment. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une police, donc une permission, qui va explicitement dire « j'autorise les utilisateurs d'Internet à venir télécharger les fichiers ». Parce que du coup, lorsque vous mettez votre fichier ici, lorsqu'il va être affiché, en fait, c'est comme si vous le téléchargiez et que vous l'affichiez sur votre PC. Alors là, du coup, je vais tricher un petit peu, je vais taper S3AWS Website Policy, parfait. Je vais chercher ce qui va bien. Et donc normalement, taxe qui est fournie par AWS, c'est ça, voilà, parfait. Cette page de documentation, je vous invite à la lire pour mieux connaître l'aspect sécurité des compartiments de sites web statiques. Je vous la mets donc dans la description. Pour ne pas vous donner ça sans explication, voyons un petit peu ce que ça fait. Donc en gros, l'effet de cette permission, c'est d'autoriser à getObject, donc en gros à télécharger les fichiers que vous avez mis sur votre service S3, en précisant que ce sera votre S3, donc la ressource example.com. Nous, on va le remplacer par www.gaws.com, car notre compartiment s'appelle de la sorte. Donc je vais copier-coller ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc dans Autorisation sur notre compartiment. Je vais retirer le blocage de l'accès public, donc je vais modifier et je vais décocher cette case. On enregistre. Donc là, il faut confirmer parce que ça touche à la sécurité. Encore une fois, je vous redirige vers cette documentation pour en apprendre davantage. Et donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir modifier et appliquer notre fameuse stratégie de compartiment, donc la police qu'on a vue juste avant. On la copie-colle, on prend bien
le nom de notre compartiment et on le remplace ici avec example.com, tac, et on sauvegarde. À ce moment-là, c'est terminé. Si vous allez sur votre site, il est disponible. Donc là, vous voyez que c'est bien un URL, donc c'est www.jraws.com avec un suffixe propre à Amazon. Et donc typiquement, si j'y vais avec sur mon téléphone, alors, à taper, ça va être horrible. Hop là, tac, accéder, parfait. Le site est bien affiché. Alors, je sais pas si ça passe à la caméra. Ok, parfait. Donc c'est affiché, bon, ça affiche très mal, mais au moins, ça fonctionne. Ok, avant de finir cette vidéo, on fait une petite parenthèse sur la tarification. Vous allez voir que pour ce type d'hébergement, ça coûte vraiment rien du tout. On va avoir deux éléments de tarification qui sont directement liés à l'hébergement en utilisant le S3 d'AWS, c'est-à-dire en premier, le nombre de gigaoctets par mois que vous allez stocker. Il y a un prix à peu près de 0,02$, il me semble, selon la région que vous utilisez pour chaque gigaoctet que vous stockez par mois. Et clairement, que ce soit un front-end d'application ou un site web statique, ça va jamais dépasser les 1 giga. Et même si c'était le cas, vous verrez que là, je vous mets une simulation à l'écran, ça vous coûte absolument rien du tout par mois. En second, on va devoir prendre en compte le nombre de requêtes qui sont effectuées sur votre site. Si vous avez une centaine d'utilisateurs qui accèdent à votre site, il y a un coût. En dernier, on pourrait avoir envie de rajouter un DNS pour avoir un bel URL d'accès à votre site. Donc par exemple, www.jraws.com, ça coûterait dans ce cas, pour un .com, 12$ par an. Ça c'est obligatoire, si vous voulez un .com, ça coûte 12$. Et si vous en voulez d'autres, ça coûte plus ou moins cher. Maintenant, ça dépasse rarement les 20$. Je vous mets également un lien dans la description pour que vous puissiez mieux vous projeter sur la tarification de votre site. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a rendu service. Si vous avez des questions ou vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine vidéo, on est sur JRAWS, ciao !